suis ravie de vous retrouver pour un top. Voilà, j'en vais en vie aujourd'hui. J'ai pas assez de mes 10 doigts pour vous faire le top 20. Voilà, top 20 des VDM. Alors, si vous ne connaissez pas VDM, c'est une application, un site qui a développé une application que j'ai sur mon téléphone, qui est en gros les pires choses qui vous arrivent dans la vie. Donc vie de M, tu vois, vie de... voilà, j'ai pas envie de dire le mot parce que c'est mal poli, mais voilà, ça s'appelle comme ça et c'est super fun. Donc je vais vous parler aujourd'hui de mes 20 VDM qui m'ont le plus fait rire, ou voilà, je me suis dit mais mec, pas un problème quand même quelque part. Donc pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte en make-up aujourd'hui, tout simplement en rouge à lèvres, parce que oui, on ne voit que ça. C'est le 20 des nouveaux Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, que j'aime beaucoup. Au niveau du teint, on a en base le Estée Lauder, donc le Pore Minimizing. Pour le fond de teint, c'est le Clinique Super Stay Balanced, le 5, le Silk Ivory. Pour le mascara, c'est le MAC Insta Curl, que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, pour le quattro des yeux, eh bien, c'est celui de The Body Shop. Voilà, c'est celui-ci en plus clair que j'ai dans le creux. Et pour l'ouverture du regard, c'est le blanc qui est juste sublime. Voilà. Et en dernier, pour l'highlighter, on ne voit que ça, hein, clairement. Eh bien, c'est celui que j'ai eu dans la Sweet Sparkle Box. C'est de la marque Manacada. Voilà. Et c'est le Fantasy. Mais sans plus attendre, on va passer vraiment dans le vif du sujet avec les vies de M. Que t'as pas envie en fait que ça t'arrive. Je commence donc avec la première VDM qui est aujourd'hui j'ai surpris mes parents en train de faire l'amour, traumatisme banal, s'ils n'avaient pas divorcé il y a plus de 10 ans. VDM. Ouais, effectivement, elle est vraiment pas mal celle-là, tu vois. Enfin bref, hashtag traumatisé. Deuxième VDM. Aujourd'hui, ma mère se plaint de l'application de son téléphone qui compte le nombre de marches montées et ne fonctionne pas. En effet, elle laisse le téléphone posé sur la table pendant qu'elle monte et descend les escaliers. VDM. Effectivement, madame, quand même, bon, tu vois. Troisième VDM. Aujourd'hui, mon boss est rentré dans mon bureau et m'a trouvé en train de fabriquer une petite robe en post-it sur mon stylo. VDM. Là, je suppose que tu vas avoir un avertissement dans ta boîte aux lettres d'ici peu de temps. Bon, hashtag j'ai pas de bol. Quatrième VDM. Aujourd'hui, la fille que j'aime est venue chez moi pour préparer un exposé. Mon père est venu en courant dans ma chambre, a pété et est reparti en rigolant. VDM. Comment t'as dû exploser de rire? Comment te dire? Hashtag la honte. Cinquième VDM. Aujourd'hui, je reçois un SMS de ma copine. Tu n'es plus le seul à avoir couché dans ma chambre, croyant qu'elle m'avoue une infidélité, et je lui envoie une réponse pleine de haine et de rancœur. Quand je reçois la suite, il y a deux araignées qui copulent sur mon plafond. VDM. En gros, tu vas être célibataire ce soir, toi. Je sais pas, mais bon, je le sens comme ça, quoi. Sixième VDM. Aujourd'hui, je travaille dans un grand parc d'attractions. Il arrive que les visiteurs oublient un tas de choses dans les véhicules de l'attraction en partant. Que ce soit plan, bouteille, sac. Mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous avons retrouvé un saucisson. VDM. Un saucisson, les gars. Un saucisson, quand même. Bon. Septième VDM. Aujourd'hui, suite à un malaise, j'ai été prise de soudaines nausées. Ma mère m'a passé un premier récipient qui lui passait par la main pour que je puisse vomir dedans. Une passoire. VDM. Hashtag pas de bol. Huitième VDM. Aujourd'hui, dans le rayon produits de beauté de mon supermarché, je veux sentir un parfum d'un déodorant et décide de m'en mettre sous les bras. Je me suis retrouvée avec une mousse à raser, plein mon aisselle et un énorme moment de solitude. VDM. T'imagines, tu passes dans un rayon, tu vois quelqu'un se mettre de la mousse à raser sous les bras. Waouh. Hashtag solitude. Neuvième VDM. Aujourd'hui, j'en ai eu marre d'entendre mon voisin faire l'amour dans la chambre d'à côté. J'ai donc appelé ma petite amie pour savoir si elle voulait aller au resto. J'ai ensuite entendu son téléphone sonner à travers le mur. VDM. Hashtag cocu. T'es sûr que t'es célibataire ce soir, c'est clair. Dixième VDM. Aujourd'hui, ma mère m'a surpris en train de regarder du porno. Pour me punir, elle s'est assise à côté de moi et m'a forcé à regarder le reste avec elle pendant qu'elle commentait la vidéo. VDM. Onzième VDM.
Aujourd'hui, je visite l'expo d'un photographe de rue de ma ville. Sur un cliché, j'ai clairement reconnu mon mari au bras d'une autre femme. VDM. Alors, pourquoi ça me fait rire, ces trucs-là? Parce que franchement, ça devrait pas, mais bon. 12e VDM. Aujourd'hui, une collègue vient au bureau pour nous présenter son bébé. C'est en voyant les regards choqués tournés vers moi que j'ai compris que mon « Tiens, on peut amener ces animaux au travail » n'avait pas résonné que dans ma tête. VDM. Hashtag la honte. Voilà. Franchement, pourquoi tu penses ça, gars, quoi? S'il te plaît, tu peux pas penser ça d'un bébé, quoi. Oh, c'est horrible. 13e VDM. Aujourd'hui en voiture, j'ai éternué si fort que ma tête a tapé le volant qui en a déclenché le klaxon. Le gars dans la voiture d'à côté était mort de rire. VDM. Ouais, c'est clair, il y a moyen quand même. 14e VDM. Aujourd'hui, réunion au travail. Souhaitant intervenir, je lève la main et fais signe à mon boss. Ce dernier rétorque. Depuis quand les stagiaires font des suggestions? Ça fait un peu 2 ans que je bosse dans la boîte. VDM. Ah ouais, le gars, il sait même pas que c'est toi qui... T'as un poste quand même, le gars, tu vois. Faudrait se poser des questions quand même, tu vois. Bon, c'est tout, quoi. 15e VDM. Mais alors là, va falloir suivre, hein, les gars. Aujourd'hui, c'est en arrivant devant le distributeur de billets de la poste, avec l'enveloppe que je devais poster dans ma main, que j'ai compris que j'avais mis ma carte bleue dans la boîte aux lettres. VDM. J'espère que vous avez bien saisi le truc. Parce que franchement, le gars, pour le coup, bravo. Tu vois, je sais pas. Je reste sans voix, tu vois. C'est pas mal quand même. 16e VDM. Aujourd'hui, la maîtresse de mon fils de 8 ans m'a appelé. Apparemment, à la question « Pourquoi pensez-vous qu'on est sur Terre ?» Mon fils a répondu « Mon père dit que c'est parce que j'ai nagé le plus vite. » VDM. La maîtresse, je sais pas si... Enfin, moi, je suis sûre que Hugo serait capable de me sortir des trucs pareils, vu l'humour de son père. Donc, la maîtresse va être censée, je pense, m'appeler régulièrement. Mais bon, pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc, bon, comment tu veux réagir à ça? À part éclater de rire. Enfin, moi, ça me ferait rire, mais bon. 17e VDM. Aujourd'hui, j'ai dû crier pour que mon père vienne m'aider après avoir coincé mes cheveux dans le ventilateur en essayant de faire la voix de Dark Vador. VDM. Eh gars, c'est quoi dans l'idée, voilà. Enfin, c'est une fille, hein, parce que je pense que, voilà, les cheveux longs, le ventilateur, Dark Vador, non. Clairement, ça fonctionne pas, hein. Enfin, bon. Au moins, faut être pris pour être appris. Tu referas pas la connerie deux fois, quoi, tu vois. C'est juste, voilà. 18e VDM. Aujourd'hui, ma fille de 17 ans me demande si j'ai fouillé dans son portable. Je lui affirme que non. C'est alors qu'elle me montre une vidéo où j'apparais en train de fouiller son portable pendant 10 minutes. J'ai enclenché par erreur la fonction vidéo pendant la manœuvre d'espionnage. VDM. Pourquoi mentir, les gars? Pourquoi mentir? Parce qu'on va le savoir, on le sait. On le sait. Il y a des preuves. On le sait, quoi. 19e et avant-dernière VDM. Dans la précipitation, je me suis lavé les cheveux avec un shampoing anti-puce de mon chien. Pas le temps de les relaver, j'ai reçu des compliments toute la journée pour la brillance et la beauté de ceux-ci. On m'a même demandé mon secret. VDM. Alors là, on nous aurait menti. Il y aurait peut-être de la brillance magnifique dans les produits pour les puces. Et je fais tout tomber en même temps. Non, là, faut qu'on nous explique, là. On nous a menti. Dernière VDM et que j'adore, enfin celle-là me fait trop rire. Aujourd'hui, nous sommes en voiture avec ma femme avec qui je suis en froid. Ok. Je demande de l'eau avant de mourir. Comme je dis, ma femme a ouvert la vitre et acheté la bouteille. Message reçu. VDM. Voilà. Ça, c'était mon top 20 des VDM parce que franchement, ça me fait trop rire. C'est un site que je vous recommande pour passer en fait 5 à 10 minutes à vous marrer. C'est super sympa. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de checker ici et ici mes dernières vidéos et de vous abonner ici, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et puis vérifiez surtout que vous êtes toujours abonné parce que YouTube vous désabonne. Et pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao !